Donc on a vu l'égalité, la différence, je ne reviens plus là-dessus. On voit bien que découle de ça la question de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est l'autonomie ? Autonomos. Je me fixe par moi-même mes propres règles. C'est quand même le maître mot de l'éducation aujourd'hui, l'autonomie. Hein, c'est une illusion, on le sait bien. C'est-à-dire qu'on est dans la dépendance en tant qu'enfant. Et en même temps, l'objectif, c'est d'en faire des sujets autonomes. C'est-à-dire capables de décider par eux-mêmes, comme Kant le disait, ce qui est bon ou pas bon, etc. etc. Alors, lorsque cette articulation entre autonomie et dépendance est bien construite, bien pensée, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas décider un enfant de 3 ans s'il doit traverser la route tout seul. La question de l'autonomisation suppose un sujet rationnel et connaissant, en capacité de faire des choix, donc en capacité d'évaluer une situation, à partir de sa maturité cognitive et affective. Alors on voit des parents aujourd'hui qui, au fond, sont, au nom de cette tyrannie de l'autonomie, dans l'incapacité de discriminer entre qu'est-ce que cet enfant est en capacité de décider ou pas. Et donc, au nom de l'autonomie, de lui demander de décider, etc. Bon. Si on le prend sur un autre registre, hein, des situations, des recompositions familiales, hein, et où, entre ces multiples coparents qui s'occupent de lui, on voit tous ces adultes qui sont en conflit, qui sait qui va... Ou avec qui va partir en vacances, le petit? Avec la famille recomposée du papa, de maman, etc. Et puis à ce moment-là, tous les adultes se tournent vers l'enfant et disent « Alors, avec qui tu veux partir, toi, c'est-à-dire ?» Autonomos. Hein, tu dois décider par toi-même. Bah, il préfère passer par la fenêtre, sauter par la fenêtre, plutôt que de décider ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en capacité de décider ça. Évidemment qu'il n'est pas en capacité de décider ça. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jeter l'autonomie. L'autonomie, c'est formidable comme programme. Mais ça veut dire que si on veut se lancer dans l'autonomie, on a intérêt à vérifier très précisément certains paramètres de capacité cognitive et affective. Sinon, on met le sujet en devenir autonome en grande difficulté. Mais quand même, on voit bien aujourd'hui un certain nombre de jeunes, d'enfants et d'adolescents, mais même d'enfants très petits. Hein, je pense à une puéricultrice qui me raconte ça, qui me dit, je ne sais pas quel âge il avait, enfin moins de 5 ans, et qui prend son biberon et tout ça, qui dit tout seul, enfin il voulait lui indiquer qu'il allait le faire tout seul, quoi. Pas question qu'on l'aide. Donc, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, autonomos. Qui d'autre que moi sait mieux que moi ce qui est bon pour moi? Allez, je vous fais la blague que va vous faire Jean-Paul Gaillard. Ça se passe au collège. C'est Mathieu qui est au collège. Alors Mathieu, il est au collège, il est assis comme ça. On ne peut pas le faire, c'est bien idée. Comme ça. À peu près comme ça. Les jambes, voilà, au loin, comme ça. Et donc, le prof lui dit « Mathieu, tiens-toi bien. » Mathieu ne réagit pas. Le prof répète un peu « Mathieu, tiens-toi bien. Tiens-toi correctement. » À ce moment-là, j'imagine, hein, ça c'est mon fantasme, j'imagine dans la tête du prof, il a toute la salle des profs dans sa tête qui se disent « Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être laxiste? Est-ce qu'il va se laisser faire par ce morveux de 12 ans et demi? Ou bien est-ce qu'il va résister? Il va se mettre debout, se verticaliser, lui faire voir à ce petit qui c'est qui décide dans cette classe? » Alors il s'est un peu énervé, le prof, etc. Ce qu'il n'a pas compris, parce qu'après Gaillard a discuté avec l'ado, ce qu'il n'a pas compris, c'est que cet adolescent ne comprenait pas ce qu'il lui voulait. Il ne comprenait pas. Et donc Gaillard dit, est-ce que tu pourrais te tenir mal? Alors, oui, il se met comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si je suis seul à savoir ce qui est bon pour moi, la position assise confortable, c'est moi qui le sais. Oui, c'est pas toi qui le sais, c'est moi qui le sais. Donc la question, c'est que c'est pas qu'il veut provoquer le prof. C'est à des milliers de kilomètres de ses soucis, lui. Il pense qu'être bien, c'est être assis confortable. Le prof pense que être bien, c'est avoir une tenue correcte, qui n'est absolument pas confortable. Passer une heure et demie comme ça, personne ne le fait, même pas vous. Hein. D'accord ? Alors, le problème, c'est que
si ça se, s'il y a une interprétation qui est erronée de ce qui se passe, on va au conflit, au pétage de plomb. Ouais. Donc, autonomos, avoir ça en tête. Ce que je ressens détermine ce que je fais. Au nom de quoi ? Ouais, oh, t'as qu'à faire comme tu le sens. Ouais, je fais comme je le ressens. Hein, c'est ça. Ouais. Une société de la sensibilité, quand même, hein, de l'intuition, du feeling. Hmm ouais. Le problème de ça, c'est que si ce que je ressens, c'est de la colère et de la haine, ça arrive, les êtres humains. Il y a des situations où on ressent de la colère, voire de la haine, quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas chez les bisounours. On est tous des êtres humains traversés par des pulsions qui sont des pulsions agressives, des pulsions affectives, enfin, positives, amoureuses, si je puis dire. Érotiques au sens psychanalytique du terme, pas érotiques sexuelles, mais au sens de sentiments positifs, émotions positives envers l'autre. Alors quand la loi, c'est ce que je ressens dicte ma conduite. Ouais, il m'a fait péter les plombs. Ouais, c'est normal, donc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de... C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer que si dans ma tête, il est légitime de me comporter à partir de ce que je ressens et de ce que je pense, moi, qu'il est bon de faire, alors à ce moment-là, ce comportement est cohérent. C'est le petit garçon de 5 ans qui tape sa grand-mère parce qu'il ne veut pas rentrer chez sa grand-mère, mais peut-être il veut retourner chez ses parents. Il est fondé sur cette structure symbolique qui dit « De toute façon, il est normal, légitime que je fasse ce que je ressens et ce que je pense que je dois faire. Ouais. » La question, c'est comment arriver à remettre dans, ce comportement-là quelque chose dans la tête qui fasse que, eh bien, il y a un tiers symbolique. C'est-à-dire une instance dans la tête qui fasse que ce que je ressens n'est pas la seule chose qui détermine mon comportement. Ce que je ressens est une partie, mais une partie seulement, de ce qui va déterminer ce que je vais faire ou pas faire. Dans la mesure où l'interdit transcendant, qui était le monde prémoderne, est caduque, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'instance verticalisée, transcendante, extérieure, qui permettrait de réguler ça, comme ça a été jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, et qui est encore le cas pour un certain nombre d'entre nous, il va bien falloir trouver d'autres façons d'instaurer dans la tête des enfants ce tiers symbolique qui va fonctionner, faire en sorte que... C'est pas parce que j'ai envie de le taper que je le tape. Oui ? En tout cas, pour dire quoi ? Pour dire que c'est certainement pas en surverticalisant, c'est-à-dire en agressant cet enfant encore plus ou en stigmatisant sa famille, etc., etc., qu'on va réussir à l'aider à se constituer. Vous voyez, ça, c'est pas un problème, là, qui suffirait de... Ça va... Le processus est beaucoup plus profond. Hein. Un autre point très important, c'est l'idée qu'au fond, ce qui a fondamentalement changé dans cette idée de centre organisateur horizon dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette inversion comme ça de la focale, c'est l'idée du rapport entre l'identité de soi et les appartenances. C'est-à-dire que jusqu'à présent, finalement, ce sont nos appartenances qui déterminaient notre identité. Oui, c'est-à-dire que l'exemple simple, c'est ça. C'est si vous demandez à une personne qui a 70 ans, 80 ans, une dame par exemple, vous dites, mais ton mari, tu aimais ton mari ? Parfois, la réponse qui vient, c'est... Ah, c'est, oui, bien sûr, je l'aimais, oui, c'était mon mari. C'est-à-dire que l'institution du mariage, l'appartenance au couple marié, déterminait les sentiments qu'il y avait à l'intérieur. Ouais. Aujourd'hui, si vous regardez n'importe quelle émission de télé-réalité autour de questions amoureuses, etc., etc., on a une sorte d'immanence du sentiment amoureux. C'est-à-dire, ça tombe du ciel comme ça, ouais, j'ai rencontré des trucs, hein, tout d'un coup, ouais, un coup de foudre et tout. Ouais. Il y a une sorte de sentiment comme ça qui va emporter le morceau, et c'est au nom de ce sentiment qu'on va fonder un couple. Oui ? Ça veut dire que c'est d'abord l'individu qui va choisir son mode d'appartenance. Pensez aussi aux relations de parentalité, c'est-à-dire au fait que dans une famille,
ce ne sont plus les liens de filiation qui déterminent strictement la parentalité, c'est-à-dire ce que l'on va ressentir, comme c'était le cas jusqu'à tout le XXe siècle, mais ce sont la nature des liens affectifs qui se nouent entre les enfants et les adultes qui déterminent la légitimité de la parentalité. Alors, tu penses aux familles recomposées, ou si finalement beau-père, belle-mère, ça va se jouer sur l'affect. C'est plus la place dont il est question. Et ceci, évidemment, a des conséquences. On pourrait pousser le bouchon d'ailleurs un tout petit peu plus loin et rajouter les dimensions de la sexualité et du désir. C'est-à-dire, ce qui fonde le couple, c'est pas tant d'ailleurs la question de l'amour que l'amour assujetti à la question du désir. Moi, je vois en thérapie de couple, des couples qui viennent et qui disent, ben voilà, il n'y a plus de désir. Et donc, ce « il n'y a plus de désir » vient interroger le couple. Ben, ça, au 19e, 20e siècle et les siècles précédents, la question ne se posait pas comme ça. Ça n'existait pas, cette affaire. Et plus encore que la question du désir, la question de la sexualité. C'est-à-dire qu'on a une sorte de... On est passé d'une sexualité qui était proscrite. On va dire que toute la prémodernité, c'était pas de sexualité hors mariage, pour faire simple. La sexualité dans le mariage pour la procréation, pour faire simple. Et puis à une sexualité prescrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas une sexualité à peu près normée comme dans les magazines, il y a un problème. Il faut prendre des médicaments, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est passé d'une... Voilà. Et donc, cette question de la sexualité comme étant liée au désir, comme étant liée à l'amour, comme étant liée à l'institution du mariage, on voit bien que ça a des incidences très très fortes sur la question de la famille.